Stéphane Tiki, ancien président des jeunes, ancien secrétaire national des Républicains. Ça va Stéphane ? Très bien. Bah alors qu'est-ce que c'est que ces anciens ? Pourquoi anciens ? Tu t'es fait virer, t'es parti, t'as claqué la porte, raconte-moi tout. Ancien parce que c'est le changement d'une étape. Déjà on peut pas rester toujours en fonction. Et jeune, tu sais pourquoi ? J'ai 30 ans dans quelques jours. Ah ouais. Et les jeunes s'arrêtent à 30 plus 1. Donc je sens un peu le côté ancien et puis nouveau parce qu'il faut écrire aussi des nouvelles histoires, tourner des pages pour écrire des nouvelles. C'est quoi ta nouvelle histoire alors ? Là, en ce moment, c'est la refondation du parti. Ouais. Bosser un peu avec la nouvelle génération parce qu'on a eu beaucoup de jeunes maires qui ont été élus, des jeunes députés, travailler avec les moins jeunes, mais surtout bosser sur la refondation parce que mine de rien, on a quand même la plus grosse défaite de l'histoire à la 5ème République, puisqu'on n'est même pas allé au deuxième tour. Oh les nazes. Ça va, tu l'as bien vécu toi ? Comment ça s'est passé ? Petite dépression derrière hein ? Bah, une grosse dépression, hein, parce qu'en plus, moi j'ai perdu deux fois. J'ai perdu déjà la primaire parce que je soutenais Nicolas Sarkozy, qui est l'homme qui m'a donné envie de m'engager, et j'ai été avec lui jusqu'au bout. Et après, première défaite, et après l'élection présidentielle, deuxième défaite. Mais c'est vrai qu'en 2012, on rêvait d'être en 2017, et finalement en 2017, on avait hâte que ça se termine. Oui, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la politique ? Alors, qui es-tu ? Je suis un jeune de 29 ans, je dis bien parce que il me reste 3 jours pour le dire. Voilà, je fais du conseil en entreprise. Ouais. Qu'est-ce que j'aime faire en dehors de la politique ? Oui, d'accord. Je fais beaucoup de conseils, j'en ai fait aussi un peu avant. J'ai fait comme des études d'économie à la Sorbonne. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ? Le sport. Tu fais quoi comme sport ? Le foot. D'ailleurs, voir des gens taper la balle derrière, ça m'a donné envie un peu de voilà. Tu supportes quelle équipe ? Marseille. Toi, t'aimes les gens dans la défaite. J'ai toujours. Alors, tu sais quoi ? Là, je vais te dire un truc qui n'est pas hyper innovant. Je supporte Paris Saint-Germain. Mais je supportais le Paris Saint-Germain à l'époque des Fabrice Pancrate, à l'époque des Bernard Lama. Non, il n'a pas joué au PSG, Platini. Mais j'ai supporté le PSG quand on était déjà au fin fond et maintenant qu'on est en haut, on reste fidèle supporter. Mais j'adore. Je peux te donner un exemple concret. Quand je fais tous les week-ends, je fais des déplacements pour aller rencontrer les militants dans les villes de province. Et ben, j'essaye quand même, notamment les samedis soirs, d'aller quand même voir les matchs dans les stades. Donc, il faut essayer de joindre l'utile à l'agréable. Il paraît que t'es un peu la mascotte à droite, toi. C'est vrai ? Il paraît. C'est quoi, ça devient de quoi cette image ? Bah, je pense que c'est la fidélité, la loyauté, et c'est vrai que je suis engagé depuis bientôt 12 ans quand même, donc j'ai commencé là, j'avais 17 ans, donc après c'est vrai que je connais les militants, les cadres, j'ai travaillé avec les uns et les autres, donc voilà, et puis le respect aussi, parce que je n'ai jamais attaqué personne dans ma famille politique, même si j'étais pas d'accord, mais je considère qu'il faut s'écouter, se respecter, et se dire les choses, solidaire. N'est pas voilà, solidaire. Oui, comme partout. Et le plus rigolo, parce que je ne voudrais pas dire du mal, plus rigolo. Parmi tous ? Ouais, avec qui tu t'entends vraiment bien, qui est sympa. Alors, il y a deux profils. Le plus rigolo. Ton anniversaire. Voilà. Alors, il y a un jeune député qui s'appelle Pierre-Henri Dumont, ouais, qui est vraiment très rigolo. Il vient du Pas-de-Calais, donc il est ch'ti. Ouais. Il est très très marrant. Et on se marre beaucoup et il sera invité d'ailleurs à mon anniversaire. Et après, je vous parlais tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, mais c'est celui avec qui j'ai quand même le partage de la passion du sport. Parce que lui, il est vraiment passionné par le foot. Et donc souvent... Tu fais des matchs avec lui ? Non, mais souvent on discute, je lui pose des questions. Il a une vision sur le sport assez passionnante. Donc on partage. Il a une meilleure vision sur le sport ou sur la politique ? Question compliquée. Hein. Non, sur la politique, je pense qu'il a aussi une très bonne vision puisqu'il a été président de la République et un peu la fonction suprême. Mais sur le sport, c'est une passion un peu différente. Et c'est un plaisir quotidien. C'est pas du tout les mêmes exigences. Le sport, c'est du plaisir. Et la politique, on est là pour aider les gens et servir les autres. Est-ce que tu écoutes de la musique ? Ah oui. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Alors, j'aime beaucoup la musique américaine. Ouais. J'écoute Drake. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent Drake. Voilà. Bon, mais moi, j'écoute Drake. J'écoute French Montana. J'ai beaucoup écouté Maître Gims. Anna Montana. Maître Gims ? Bah Maître oui, quand Gims. Même. Ah ouais. Bah, sapé comme jamais, quand même. Sapé comme jamais, tu l'as. Voilà. Voilà, et puis j'ai toujours été fan, notamment, de tout ce qui était Michael Jackson. Normal. Et puis, beaucoup de R&B aussi. Whitney Houston, R. Kelly, même si R. Kelly a des... R&B ? Ah bah oui, quand même. Hein. Un petit peu. Enfin, juste... Oh, ça va. R. Kelly, il fait plus grand-chose. Whitney Houston, c'est quand même l'incarnation du R&B. Hein. Je veux pas te... Si, R. Kelly fait encore des choses. Mais... Mais je suis pas sûr que... Voilà, mais on dirait qu'il était meilleur dans la chanson. D'ailleurs, qu'il pouvait s'arrêter que là. Comme ça, on pourra retenir que ça. C'est quoi ton animal préféré ?
Les animaux et moi, c'est quand même une histoire un peu compliquée. Hein. J'ai été mordu par un chien et puis griffé par un chat, donc... C'est pour ça que tu te méfies de Camille. Voilà, donc depuis, tu vois, j'ai gardé une petite distance avec Camille quand même. Mais je suis un petit animal sympa. Mais voilà, mais j'ai rien contre les animaux de particulier, après... T'en as pas un préféré? Non, pas spécialement. Tu dois te réincarner en un animal. Lequel? Un animal? je dirais le lion. Le lion. Le lion, parce que c'est un animal... Le roi des animaux, ouais. Quoi. Non, je voulais pas dans ce sens-là, voilà, mais... Il veut être président, Stéphane. Hein? Non, parce que le lion, déjà, pourquoi? Parce qu'il est indomptable, voilà. Ensuite, c'est un animal courageux et qui ne lâche jamais, qui est d'ailleurs solidaire de ses proches, il protège toujours les autres. Et qui aime dormir aussi. Et qu'aime dormir. Ouais. Sinon, ouais. Sa femme voter, ouais. Non, mais moi, j'aime bien dormir. Hein. C'est dormir, c'est pas... faut dormir pour pouvoir être en forme, hein, et... D'autant plus que je n'aime même pas le café, donc il faut bien que je dorme bien pour être en forme le matin. C'est ça. Mon Camille, tu viens? Oui. Hein, maintenant qu'on en est là, on aimerait s'incruster à ton anniversaire, oui. Tu sais, nous. Ah bah oui, moi j'aimerais bien. Ouais. La fête, c'est notre truc. Pareil, Camille est très fun et ouais, Jérémy, on m'a dit qu'il était pompé l'op. Ouais. Des petits mojitos, tout ça. Donc on vous laisse, on part préparer son anniversaire. Merci à tous et à bientôt. Salut Stéphane. À bientôt. Merci Stéphane. Merci Camille.